laisser vos passages. Oui, ok, bien sûr. Bonjour à tous. Nous avons eu l'immense honneur d'avoir une audience ce matin avec Son Excellence le chef de l'État pour lui rendre compte de notre séjour ivoirien pour le championnat de la zone 3. Nous lui avons fait cas de notre élection à la tête de l'UFAC zone 3. Nous lui avons fait cas des médaillés d'or, d'argent et de bronze au nombre de 25 et lui fixer également le cap de nos objectifs sur le Botswana et les Jeux africains et le championnat du monde. Et ça a été avec un grand plaisir que le président a bien voulu nous féliciter et nous prodiguer des conseils et s'engage à nous appuyer avec le ministère des Sports pour le prochain déplacement au Botswana qui aura lieu la première quinzaine de juillet prochain. L'objectif au Botswana, ça sera quoi? On était à Kigali l'année dernière et au passage, je tiens à remercier le ministère des Sports et Son Excellence, Monsieur le Chef d'État, qui ont bien voulu nous appuyer pour ce déplacement où on a fait 3 médailles. L'objectif cette année, c'est de faire mieux que l'année dernière, plus de 3 médailles. Nous nous fixons un objectif de 6 à 7. Tout dépend des acteurs africains, parce qu'il y aura à peu près 27 à 30 pays au Botswana. Qu'est-ce que votre élection à la tête de l'UFAC implique comme responsabilité? Écoutez, nous avons été effectivement élus pour l'UFAC avec un mandat de redynamiser un peu les activités de la zone. Comme vous le savez, il y a toujours une seule activité dans la zone 3. Mais nous avons pensé qu'il faut créer l'Open au Cambie que nous allons faire en janvier au sein de la zone et inviter d'autres pays. Nous allons faire un stage international d'arbitrage avec Olusegun Akinola, qui est un arbitre mondial nigérian, avec tous les 8 pays. Et nous allons faire un stage international avec des experts japonais et européens, en l'occurrence des Ukrainiens, pour préparer les prochaines échéances. Donc nous allons animer la zone avec au moins 4 événements et redynamiser les commissions en faisant appel aux ressources et aux experts de tous les pays concernés par la zone 3.